soleil d'été. C'est si bon de ne pas penser qu'à l'eau que colore la vide. Et Néné sur son ballon rouge fait bondir. La chaisière s'est endormie, c'est midi au paradis. Guignol a pris son bâton, le manège tourne en rond. Dans ce monde où tout bouge, dans ce monde où tout est rouge, le préfet joue du tambour, l'amour sera toujours l'amour. Et Néné, sur son ballon rouge, fait bondir le soleil d'été. C'est bon de ne pas penser qu'à l'orgueil. Bonjour madame, bonjour monsieur, le soleil ou l'amour vous ont fermé les yeux. Guignol a perdu la guerre, le préfet et la chaisière au paradis vont s'aimer, vous n'y pas trop penser. Thank you.
faut que je me détende un peu. Je crois qu'il y a besoin. Alors, je vais vous raconter, je sais pas quoi, je vais raconter ma vie. Enfin, pas tout, un petit bout seulement. Tout petit bout. Au tout début, quand j'étais petite, enfin, ça fait pas mal de temps. Alors, papa et maman avaient vu que déjà enfant, j'avais aucune éducation, aucune instruction, enfin, toutes ces choses que les autres avaient, puis je n'avais pas. Déjà toute petite. Alors, ils ont dit comme ça qu'ils allaient me mettre à Sainte-Jeanne d'Arc, parce que c'était bien. Et c'est vrai que c'était bien et que c'était extrêmement bien organisé, Sainte-Jeanne d'Arc, surtout les dimanches. C'était très bien parce qu'on avait beaucoup de shows organisés dans la matinée. On avait la grande messe chantée d'abord. C'était très bien. Jusqu'à la moitié, ça allait parce qu'on y allait à jeun pour la communion. C'est un petit peu long, vous voyez, une grande messe, surtout chantée. Après, on avait droit à revenir à Sainte-Jeanne d'Arc pour ce qu'elles appelaient le déjeuner. C'est un truc de sœur, une petite bêtise, quoi, une bricole, très, 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 très légère, vous voyez. On avait un bénédicité quand même avant, pour occuper, quoi. Puis un autre après, aussi. On en avait deux, quoi, avant. Après, on avait les vêpres, c'était très bien. Aussi. Après les vêpres, on avait un autre truc très marrant qu'elles appelaient le goûter, qui était très petite tartine, vous voyez. Toute petite. Tout petit bout de chocolat. Même pas suisse. Et puis, après, on avait droit à faire une récréation. Enfin, les plus vaillantes, quoi, celles qui pouvaient encore, quoi. Celles qui pouvaient, elles avaient récré. Dans la cour, on faisait des jeux pas très méchants. Une marelle, vous voyez, des jeux de sœurs, quoi. Une marelle, un coche-tampon, des fois. Des bêtises, quoi. Alors après, on avait un autre truc. Très bien, le salut. C'est des chapelets, enfin... Ça, faut être manuel pour le chapelet aussi. C'est pas... Moi, ça a grippé, vous voyez. Enfin, après, on avait droit. Qu'est-ce que c'était déjà? Comment elles appelaient ça, hein? Un dîner, elles disaient. Un dîner. Mais ça, c'était pour notre santé, hein, parce que c'est vrai que pour bien dormir, faut dîner légèrement. On dormait bien, oui. Et puis, juste après, on avait la petite prière du soir, des fois qu'on aurait fait un péché. C'est vrai qu'il y en avait qui faisaient des péchés d'envie. Comme ça, ouais. Puis dodo ninette, quoi, comme ça. Bon, en gros même, ça ne m'a pas laissé un si mauvais souvenir que ça, parce que... Et puis même, ça m'a laissé des bons souvenirs, parce qu'on a eu l'idée d'en faire une chanson sur Sainte-Jeanne d'Arc, sur ce qui se passait à Sainte-Jeanne d'Arc. C'est dur à dire, sur ce qui se passait à Sainte-Jeanne d'Arc. Donc je répète ça, sur ce qui se passait à Sainte-Jeanne d'Arc. Et puis on en a fait une chanson sur une romance de Mendelssohn. Voilà. Faisait des aquarelles, elle se
des choses de la vie. Dans la cour, alors on jouait un peu la marelle ou bien des autres trucs de cercle. Je bois. Oh là là, j'avais pas vu ça. Oh, heureusement que j'ai pas vu. Et vous êtes là depuis longtemps? Allez, va. Chaque fois qu'on s'écrit
de lui qu'il neige et que les enfants courent au manège dans leur manteau blanc. Et dites-lui qu'il neige, mais ne dites pas que j'ai de la peine et que je l'attends. Dites-lui qu'il neige, mais ne dites pas que j'ai de la peine et que je l'attends. Dites-lui que l'arbre fleurira bientôt, qu'il y a sur la table du miel et de l'eau. Dites-lui que Rose garde les enfants les jours où je porte mon linge à l'étang. Parlez-lui de Rose, mais ne dites pas que Fidèle est morte et que je l'attends. Dites-lui que Pierre est enfin rentré, que 3 ans de guerre l'ont bien fait changer. Et dites-lui que Jeanne s'est défiancée et que Pierre et Jeanne vont se marier. Dites-lui qu'un homme est venu s'asseoir, que ses mains sont bonnes et chaudes, son regard, il chasse la neige, m'emmène à l'étang et joue au manège avec les enfants. Et dites-lui qu'un homme est venu ici, que ses mains sont bonnes et que je dis ses mains sont bonnes et que j'ai dit oui. Je n'ai pas le temps de monter dans la vie. Je dois voir du noir plein la figure, c'est dégoûtant. Évidemment, c'est facile, il y en a qui font ça avec la glycérine, alors. Ça coule pas? Moi, ça coule. Il y a du foin et du vin. Dis à
dormira, il dormira encore. Dis-lui tout ça, dis à Mathieu, que je porterai au bout de ses lèvres les œufs du matin et le lait de chèvre. Il s'éveillera, me dira je t'aime. Dis à Mathieu, dis à Mathieu, dis à Mathieu, que je me sens calme, que la nuit sera belle, que la nuit sera sienne, mais qu'il me vienne bientôt. Je verrai le soleil en flamme, il sera matin, j'irai à l'étable, et tant pis pour lui et qu'il aille au diable. Dis à Mathieu, les œufs du matin et le lait de chèvre n'ont pas mauvais goût au bout de mes lèvres. Je vais travailler sans revient le soleil. Visiter.
douce Marie, tu t'en vas avec un sourire. Marie, tu sais, Marie, qu'un jour tu vas Bye.
aussi. Toutes